Lulu Etoka, époux officieux de Claudia Sassou Nguesso, un entrepreneur en carton poubelle qui défrait la chronique et la colère des travailleurs de la société EcoOil, où il occupe un poste de président directeur. Parlons de cette structure juridique qui a été créée en toute pièce par le dictateur Denis Sassou Nguesso pour remplacer la compagnie Sanga Palm. Une initiative qui n'a pas fait long chemin au regard des résultats médiocres et d'une gestion chaotique, couplée à un management familial et des grèves à répétition dues au non-paiement des salaires des travailleurs. Willy Etoka, homme de l'ombre et de main de Denis Sassou Nguesso, fait face à une vive protestation au sein de cette structure qui avait suscité de l'engouement. Ces images choquantes que vous venez de voir montrent des travailleurs qui réclament tant bien que mal leur salaire. Il faut noter que Willy Etoka, qui distribue de l'argent dans la capitale française, n'a pas versé un seul sou à ses honnêtes travailleurs depuis près d'une année. Dans un pays où la gestion de la chose publique est confiée à une famille, le code de travail a connu l'exil. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet, jemainformetv.com. Pour nous soutenir, nous vous encourageons à vous abonner et à partager la vidéo.